Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Bernardo Silva au Barça à l'Esparti. Alors avant de parler de Bernardo, je t'invite à liker la vidéo si elle te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche d'indication, ça me soutient énormément et merci d'avance. Et surtout, cette vidéo est sponsorisée comme d'habitude par mon sponsor H&M Foot, c'est un site de vente de maillots de foot et d'un site où vous pouvez trouver les maillots du Barça de la saison prochaine qui est déjà dispo sur le site et vous pouvez bénéficier de moins 15% avec mon code UMZO et tous les liens ci sont dans la description. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bernardo Silva au Barça. Déjà, il faut savoir, si vous connaissez pas Bernardo Silva, c'est un joueur portugais qui joue à Manchester City. Et selon moi, en ce moment, Bernardo, il est au top de sa forme. On l'a tous vu lors de la double confrontation avec le Real, etc. Bon, revenons au sujet. Déjà, en ce moment, il y a une tendance qui est en train de se confirmer petit à petit actuellement du côté du Barça. C'est de voir Frenkie de Jong partir à Manchester United, retrouver son ancien coach Eric Ten Hag, et de ce fait Juan Laporta a déjà commencé à négocier, a déjà contacté son remplaçant et a déjà commencé à négocier avec le Portugais, puisque Xavi en a fait sa priorité au milieu de terrain. Déjà parce que Xavi pense que la potentielle arrivée de Bernardo Silva au Barça aiderait à gagner des titres, et selon Martinez Ferran, le Portugais serait heureux de rejoindre le Barça qui était son club de cœur depuis qu'il était petit. Déjà, il y avait des photos qui ont fuité récemment de lui avec un maillot du Barça, etc. Donc voilà, c'est depuis petit, il kiffe le Barça. Donc voilà, mais la seule solution, la seule et unique possibilité de voir Bernardo Silva c'est de faire partir Frenkie de Jong, qui ne dérangerait pas Xavi, parce que la valeur marchande de Bernardo Silva est évaluée entre 75 et 100 millions d'euros, tandis que Frenkie de Jong peut partir à plus de 80 millions d'euros, ce qui aiderait beaucoup le Barça à financer l'arrivée de Bernardo Silva. Et selon la presse catalane, un accord est proche d'être trouvé entre les deux parties. En tout cas, dites-moi si vous voudriez une potentielle arrivée de Bernardo Silva au Barça. Déjà, moi, je pense que c'est une bonne idée. Déjà, Bernardo Silva, c'est un milieu de terrain qui attaque beaucoup, même si défensivement, c'est assez soft. Mais rappelez-vous, normalement, l'année prochaine, Kessié sera là. Donc, ça va beaucoup aider. Et si Frenkie, par la suite, par Manchester United, je pense que ça ne dérangera pas de proche à vie, parce que Bernardo Silva, c'est un milieu de terrain très offensif, qui est très bon, qui est très intelligent, qui est très hyper intelligent. Donc voilà, on va pas en parler de sa carrière, etc. Donc voilà, il est excellent. Donc voilà, avec Kessié, etc., ça va soulager le milieu de terrain, Pedri, Gavi, etc. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi ce que vous pensez d'une potentielle arrivée de Bernardo Silva au Barça. Donc voilà, et pour dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, je trouve que ça serait une excellente recrue pour remplacer Frenkie de Jong. En tout cas, comme je l'ai dit, dites-moi votre avis en commentaire. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Bernardo Silva. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Voilà aussi, je tenais à vous remercier pour les 18 500 abonnés. Donc voilà, ça grimpe de plus en vite, Mashallah, merci beaucoup. Vous êtes les BG, donc voilà, vous êtes les boss, donc voilà, j'ai rien à dire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et de la famille, c'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. On approche des 19 000 abonnés. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.